L'Iran, pays d'Asie de l'Ouest, connu sous le nom de Perse jusqu'en 1935, est devenu la République islamique d'Iran en 1979. Sa capitale, Téhéran, est une ville de 8 millions d'habitants. Dynamique et moderne malgré les sanctions internationales qui ont asphyxié l'économie iranienne depuis 12 ans. Chaque semaine, dans le sous-sol d'une mosquée appelée Zourané, ou maison de la force en persan, des hommes s'entraînent. Ils pratiquent un art martial traditionnel entre lutte et danse, appelé Varze Pahlavani, traduit par sport antique, ou Varze Bastani, traduit par sport traditionnel. Ce sport national iranien consiste en une série de techniques de culturisme, de gymnastique et de lutte au rythme des percussions du tombak. Un guide, le Morshed, chante des poèmes qui rendent hommage aux figures saintes du chiisme. La Zourané est une fosse octogonale d'environ 1 mètre de profondeur et de 10 ou 20 mètres de diamètre, dans laquelle s'entraînent les athlètes appelés Palvan. Les exercices constituent un véritable sport collectif, cumulant épreuves physiques et souplesse, rituels spécifiques et respect de règles morales et éthiques. Les athlètes s'adonnent à toutes sortes d'exercices, comme soulever dos au sol d'énormes panneaux de bois, des boucliers appelés sang, ou manier d'énormes massues en bois. Les palvans commencent et finissent toujours leur séance d'entraînement par une prière menée par le morshed, puis par des exercices d'échauffement et d'étirement, tels que des petits sauts et mouvements circulaires des bras. Le Morshed mène les exercices assis sur une plateforme en hauteur appelée Sardam et sonne la cloche pour marquer le début et la fin de chaque exercice. Le Varze Pahlavani est plus qu'un art martial. Il a permis aux Iraniens de combattre les envahisseurs au cours de l'histoire et d'intégrer les valeurs spirituelles du soufisme, les rituels traditionnels du mitraïsme et l'héroïsme du nationalisme iranien. Les palvans se doivent d'observer certains codes de conduite afin de développer humilité, générosité, charité, respect de la loi et bravoure. Ils sont fraternels et offrent leur aide autour d'eux quand cela est nécessaire. Autrefois, les palvans d'une Zourané protégeaient le quartier des villages ou des villes. Après la révolution islamique en Iran, le gouvernement et nos leaders souhaitaient donner un nouvel élan. Ils voulaient faire revivre notre riche passé culturel. Alors ils ont tout mis à plat et une des valeurs de nos traditions culturelles venait de nos sports et de la pratique du zurkane, qui était très importante dans notre culture. Cet art existait bien avant notre révolution islamique. La pratique du zurkane faisait partie de l'empire iranien. Cet art était enseigné aux soldats qui devaient se préparer pour les batailles. Les armes autrefois employées ont été remplacées par des instruments comme ces massues en bois de différentes couleurs dont le poids varie entre 2 et 50 kg. Allah,
Chaque athlète porte une massue dans chaque main et pose la partie alourdie sur ses épaules dans un mouvement qui suit le rythme des percussions. Parfois, les lutteurs les plus habiles agissent comme s'ils jonglaient avec les masses. Les lutteurs forment un cercle et font des exercices de pompe, Shena Raftan, sur des barres appelées tactées. Le plus âgé commence au centre du cercle, alors que le meneur conduit les mouvements de pompe du groupe. Les Palvan finissent par s'entraîner aux techniques de la lutte héroïque antique, en s'opposant deux par deux. Ils utilisent alors différentes techniques offensives, défensives ou de contre-attaque. À la façon des derviches tourneurs, les Palvan tournent sur eux-mêmes lors de cet exercice appelé Shark Zadan, la toupie. Au début, ils se disposent en cercle autour du Zorané, dos tourné au mur. Le plus jeune lutteur commence par se mettre au centre et à tourner doucement au son du tambour. Puis, de plus en plus vite, rejoint par les autres lutteurs qui font de même par ordre d'âge. Thank you.
Malgré sa position actuelle sur la scène internationale, l'Iran, avec son riche patrimoine culturel, reste un pays accueillant et chaleureux. Les Iraniens, quant à eux, restent optimistes pour leur avenir. Le Varzeh Pahlavani accorde une grande importance à l'esprit chevaleresque, à la courtoisie et à la bravoure. Mais finalement, il ressort bien plus de ce sport. En effet, il est l'un des rares sports dans lequel la religion semble avoir une présence importante. Ce sport ancestral a su s'adapter aux différents régimes qui ont gouverné sur la Perse au fil du temps.